ألقى وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأزكى التحيات وأتم السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الرسل المحجلين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر أجر الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. On va essayer inshallah de prendre quelques mots en arabe aussi pour vous parce que le mot en arabe c'est très nécessaire pour nous pour connaître la langue arabe, pour connaître Coran et Majid, pour connaître Hadith, pour connaître Doa parce que on est vivant grâce à notre Doa. Doa aussi il faut faire les doa avec les ma'na. Par exemple, on dit Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ça, cela veut dire quoi? Il faut connaître ça. Tout ça dépend des mots en arabe, langue arabe. On ne peut pas aller jusqu'à la fin, ça c'est sûr. Mais petit à petit, inshallah, quelques mots en arabe, deux, trois mots, ça, ça suffit pour nous. Le premier mot qu'on prend aujourd'hui, c'est le mot dakhala. Mot dakhala. Dakhala, cela veut dire rentrer. Dakhala, trois lettres. Mais cette mot-là, dans le Coran et Majid, beaucoup d'ayat aussi. Allah tabaraka wa ta'ala, il utilise cette mot-là, dakhala. Pourquoi j'ai amené dakhala? Parce que ça, c'est infinitif. Ça, c'est source des mots, ce mot dakhala. C'est rentré. Coran et Majid, dans les sourates, par exemple, sourate Al-Imran, آيات 37 الله تبارك وتعالى إلى من ست مدخلة ست آيات à propos de حضرت زكريا et بيبي مريم. Cette histoire aussi c'est connu entre vous. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا. Je répète l'ayat. كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا. دخل عليها. Ça c'est mot دخل.
داستان حضرت زكريا و مريم كي vous savez Zacharia il est pas demandé à Dieu un enfant mais à la fin il a demandé un enfant pourquoi parce que il a vu Mariam tout le temps elle a fait doa Mariam tout le temps elle a demandé à bon Dieu tout ce qu'il veut ça c'est destiné à cette Mariam Après, Zacharia, tout le temps, quand il rentre chez Mariam, وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا Toujours, il a vu qu'auprès de Mariam, il y a du rizq. Rizq ici, cela veut dire que repas. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا Ici, Allah, tabaraka wa ta'ala, Il utilise le mot dakhala, rentrer. Ça, c'est le mot dakhala. Autre ayat, à propos de Hazrat Yusuf, ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam. Vous savez que Yusuf, il était en prison. Quran Majid, quand il parle d'Astan Hazrat Yusuf, quand il parle histoire de Yusuf, Allah tabarak wa ta'ala a dit Yusuf il était prisonnier oui wa dakhala ma'ahu sijn fatayan Allah tabarak wa ta'ala ici aussi il utilise ces mots dakhala wa dakhala ma'ahu sijn fatayan cela veut dire Yusuf il est rentré dans une prison avec deux jeunes aussi avec lui c'était deux jeunes Ils sont rentrés ensemble avec Yusuf, ala nabiyina wa alihi wa alihi salam. Ici, Allah tabarak wa ta'ala utilise le mot dakhala, rentrer. Premier ayat, c'était ayat dans les sourates Ali Imran, ayat 37. Et le deuxième ayat, c'est l'ayat dans les sourates Yusuf, ayat 36. C'est le mot dakhala. Le mot suivant. Dabbatin. Attention, écriture et lecture aussi, c'est très important. Dabbatin, c'est comme ça on écrit. Dal, après dal, alif, après ba, sur ba, c'est tashdid. Il faut tomber. Au moment de lecture, il faut tomber un peu. Dabbatin. Parce que cet mot-là, dans le Coran et Majid aussi, c'est beaucoup. Allah, tabarak wa ta'ala, il utilise ces mots-là dans notre Coran et Majid. Par exemple, Bismillahirrahmanirrahim. Cet ayat dans les sourates Hud, ayat numéro 6. Allah, tabarak wa ta'ala, a dit Wa ma min. Dabbatin illa ala Allahi rizquha. Dabba, cela veut dire quoi? Tout ce qu'il marche ici sur la terre, ça c'est dabba. Par exemple, l'insan, les animaux, tout ça c'est dabba. Tout ce qu'il part, tout ce qu'il marche sur la terre, c'est dabbatin. Quran Majid a dit wa ma min dabbatin. Il ne dit pas wa ma min insanin. Ou par exemple, wa ma min hayawanin, parce que les animaux et humains, insan, tout ça c'est dabbatin. Le mot dabba spécial pour insan et les animaux et les djinns aussi, c'est comme ça. Parce que tout le risque pour nous, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui envoie le risque. Wa ma min dabbatin illa ala Allahi rizquha. Quran Majid a dit que tout ce qu'il part, tout ce qu'il marche sur la terre, le risque, c'est Allah qui a donné le risque. Wa ma min dabbatin illa ala Allahi rizquha. Cette ayat dans les sourates Hud, ayat numéro 6. Et autre ayat aussi, à propos de dabba. بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها
من دابة. سي بار اكزامبل الله يتوليز aussi cette سورة لا cette آيات لا le mot دابة toujours ça c'est spécial pour insan pour les animaux et pour djinn aussi ça c'est دابة parce que tout le notre risque de la part de Allah تبارك وتعالى risque c'est pas obligé repas risque aussi notre ilm notre sihat santé par exemple tout ça c'est risque notre repas c'est risque aussi وما من دابة إلا على الله رزقها الله تبارك وتعالى il utilise ces mots دابة cela veut dire tout le notre risque soit insan soit les animaux soit par exemple le djinn notre risque de la part de Allah تبارك وتعالى ici Allah aussi il utilise cette ayat là après cette ayat ولو يؤاخذ الله بظلمهم nous sommes tous on fait ظلم ظلم qui que ce soit soit ظلم entre nous même soit ظلم entre nous et Dieu notre bon Dieu soit ظلم entre nous et les autres tout ça c'est ظلم parce que Hazrat Amir al-Mu'minin a dit dans Nahj al-Balagha trois qualités de ظلم الله تبارك وتعالى أدي ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم سي الله تبارك وتعالى il a pris notre ظلم là notre ظلم tout ce qui est mal qui ont fait ici tout ce qui est ظلم qui ont fait entre nous entre Dieu entre nous et les autres الله تبارك وتعالى سي il a pris cette ظلم là ما ترك عليها من دابة الله تبارك وتعالى peut-être dans notre dunya là on reste pas ici si notre zulm Allah il a pris ça ça fait rien pour insan ça fait rien pour les animaux et ça fait rien aussi pour les djinns mais Allah toujours arhamur rahimin quelquefois on fait zulm on fait le mal mais Allah il laisse notre péché tout ça Allah il donne les maghfirat الله تبارك وتعالى il accepte tout le temps si on demande tawba Allah تبارك وتعالى Allah تبارك وتعالى Allah toujours il pardonne ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ici le dernier ayat Allah تبارك وتعالى utilise le mot دابة aussi ça fait le mot دابة cela veut dire tout ce qu'il part tout ce qu'il marche sur la terre par exemple c'est insan ou djinn ou les animaux ça c'est dabatin tous les notre risque de la part de Allah tabaraka wa ta'ala ça c'est le deuxième mot pour aujourd'hui le premier mot c'est dakhala et le deuxième mot c'est dabatin et le troisième mot ça c'est clair pour nous mais le mot pareil cela veut dire que le premier mot c'est le mot unasin Unasin, peut-être, c'est bizarre pour vous. Unasin, cela veut dire quoi? Unasin et insanin, ça c'est pareil, c'est la même chose. Mais le mot unasin, pourquoi j'amène ici? Parce que le mot unasin, Allah tabaraka wa ta'ala aussi, il l'utilise beaucoup dans notre Coran Majid. Comme ça, on écrit ou Hamza sur Alif. Nun avec alif, on prolonge un peu les nun, unasin. C'est comme ça on écrit. Et Allah tabaraka wa ta'ala aussi, dans le Coran Majid, il utilise, il amène beaucoup cette ayat-là et cette mot-là. Unasin. Unasin, c'est pareil cette mot-là avec insan, par exemple. Insan, c'est connu entre nous. Ça, tout le temps, on entend beaucoup ce mot insan. Mais le mot unas, non. Peut-être, on pense que unas, autre chose, et insan, autre chose. Mais les deux mots-là, c'est pareil. Deux mots-là, c'est pareil. Et aussi, comme unas et insan, c'est insiya. Le mot insiya. Le mot insiya, c'est pareil aussi, avec insan et unas. Ça fait unas et insiya, même chose avec insan. Mais pourquoi j'ai amené ici? Pour vous dire que le mot unas et insiya aussi, c'est la même chose avec insan. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, dans notre Coran Majid,
il a amené aussi sept mots-là. Le deux mots-là, il a amené et il utilise beaucoup dans notre ayat. Si on regarde bien le Coran et Majid, beaucoup de ayat dans le Coran et Majid, Allah utilise ces mots-là. Par exemple, premier ayat, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans le surat Maryam, ayat 26. Surah Maryam, ayat 26. Allah, tabaraka wa ta'ala, il utilise le mot-là. Insiya, cela veut dire insan même. Qu'est-ce qu'il a dit Allah? Allah a dit, tabaraka wa ta'ala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inni nadartu lir-Rahman sawma, falan ukallima al-yawma, insiya. Ça c'est à propos de Hazrat Bibi Maryam alayha salam. Quand Allah tabaraka wa ta'ala il a donné Bibi Maryam Hazrat Isa ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam, après Allah a dit à Maryam, ô Maryam, faites-vous le jeûne, rosa. Après, votre rosa, c'est que vous parlez pas avec les gens. Vous parlez pas avec les gens. Cela veut dire que Maryam a dit, Inni nadartu lir-Rahman. Je fais nazr. Je fais nazr lir-Rahman. Pour Allah, tabaraka wa ta'ala, pour Dieu, sawma. Mon nazr, c'est quoi? C'est le sawm. Je jeûne, je fais le jeûne, je fais le rosa. Falan ukallima al-yawma insiya. Pardon, falan ukallima al-yawma insiya. Cela veut dire aujourd'hui, je ne parle pas avec quelqu'un. Je ne parle pas avec quelqu'un. Insiya, cela veut dire insan aussi. Le mot insiya. Et le mot suivant, unasin. Bon, je vous le disais que insan, insiya, onas, c'est pareil, cette mot-là. Les trois mots, c'est pareil. Mais pourquoi j'amène ici? Pour savoir, parce que ces mots-là aussi, Allah tabaraka wa ta'ala utilise dans le Coran et Majid. Onas. Les mots suivants, dans le ayat, dans le surat al-Isra, ayat 71, surat al-Isra. Surat al-Isra, cela veut dire surat Bani Israël, ayat 71. Allah, tabaraka wa ta'ala, il utilise aussi cette mot-là, mot unasin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette ayat à propos des jours de jugement. Jour de jugement, yawm al-qiyamah, Allah a dit, yawm nadu'u kullu unasin bi'imamihim. Yawm nadu'u kullu unasin. Allah, il a dit pas insanin ou insiya, il a dit ici kullu unasin bi imamihim. Jour du jugement, Allah tabarak wa ta'ala a dit on appelle tout le monde avec leur imam, avec leur imam. C'est pour cela nous sommes alhamdulillah rabbil alamin, nous sommes shia avec notre imam Allah tabarak wa ta'ala. Jour du jugement, il va nous appeler avec notre imam, Hazrat Ali alayhi salam, Hazrat Imam Hassan alayhi salam, Hazrat Imam Hussein, tous les 12 imams, inshallah, ce sont des gens saints et avec nous aussi, jour de jugement. Yawma nad'u kullu unasin bi imamihim. Ici aussi, Allah tabaraka wa ta'ala, il utilise le mot unas. Et le deuxième ayat pour unas, cela veut dire insan. Unas et insan, c'est pareil. Unas et insiya, c'est pareil. Et insan et insiya, c'est pareil aussi. Mais le deuxième mot pour unas, c'est quoi? Deuxième mot, c'est le akhrijou. Ça, c'est Dastani Hazrat Lut ala nabiyina wa alihi wa alayhi salam. Quran a dit, Allah tabarak wa ta'ala a dit, akhrijou ala lutin min qariyatikum innahum unasun yatatahharun. Innahum unasun yatatahharun. Faites-vous sortir le ala lut, famille lut, Quran a dit comme ça, dans votre quartier, parce que ce sont des gens yatatahharun, ce sont déjà propres. Ce sont déjà propres. Bon, unas, le mot unas aussi, et le mot insan, et le mot insiya, c'est pareil. Et dans le Coran et Majid, beaucoup d'ayat comme ça. Bon, ça c'est trois mots pour aujourd'hui. Le mot dakhala, cela veut dire rentrer. Le mot dabatin, tout ce qu'il part, il marche sur la terre comme insan,
comme hayawan, les animaux, et comme djinn aussi. Et unas, ça veut dire humain. Les humains, ça c'est pareil aussi, c'est parce que insan et unas et insiya, c'est pareil. Les trois mots, ça suffit pour aujourd'hui, inshallah. La prochaine fois, on va vous donner aussi quelques mots en arabe. Pourquoi on donne ça? Pour savoir la langue arabe, notre hadith, Coran et Majid surtout, notre doa qu'on fait tous les jours, ta'akibat et namaz, doa et kumel, tout ça en arabe. Il faut apprendre petit à petit, inshallah. Peut-être, le premier c'est difficile pour nous, mais inshallah, petit à petit, on va prendre ça, petit mot en arabe, inshallah, pour savoir tout ça. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من